toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 14 février 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, je vous souhaite une belle fête au Valentin, aux Valentines. Je souhaite une belle fête des amoureux, quoique pour moi, ça se fête tous les jours, n'est-ce pas? Quand on est amoureux, par de petits gestes, par de simples choses. Il ne faut pas attendre un jour par an pour fêter. Ça, c'est personnel, n'est-ce pas? Alors, avant de commencer, l'affirmation positive, eh bien, j'ai de la gratitude pour tous les petits plaisirs de la vie, mais oui, certainement. J'ai de la gratitude pour tous les petits plaisirs de la vie. Merci l'univers, j'ai de la gratitude pour tous les petits plaisirs de la vie. J'ai pigé aujourd'hui confiance, j'ai confiance en moi et en mes capacités. Alors, petite question que je vous pose, avez-vous confiance en vous? Répondez à cette question. Pour certains d'entre vous, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que vous avez des croyances erronées à votre sujet. En fait, eh bien, vous avez fait vôtre les croyances d'autres personnes, notamment les personnes que vous fréquentiez lorsque vous étiez enfant, et ça peut être la famille, les parents, les enseignants, etc. Vous avez intégré tout ce que vous entendiez à votre sujet. Et vous en avez fait, eh bien, malheureusement, vos vérités. Alors que ces croyances ne vous appartenaient pas, ne vous concernaient pas. Elles appartenaient aux personnes qui se faisaient une idée de qui vous étiez par rapport, eh bien, à leur système de pensée et de croyance. Eh bien, présentement, aujourd'hui, il est temps. Il est temps maintenant, eh bien, de vous libérer de ces croyances erronées, de rehausser l'estime que vous avez de vous-même et de retrouver toute votre confiance. Commencez par pardonner à toutes ces personnes ce qu'elles vous ont fait ou dit. Et pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi à vous-même afin de vous libérer. Afin de vous libérer au niveau énergétique de ces relations toxiques. Et puis, transformez vos croyances intimes à votre sujet en belles croyances qui vont vous apporter de la joie, une bonne estime et un sentiment de puissance. Parce qu'en fait, vous êtes une personne merveilleuse, n'est-ce pas? Et vous possédez en vous, oui, vous possédez en vous toutes les ressources et capacités pour réussir tout ce que vous entreprenez. Ne doutez jamais de vous. Vous êtes un être divin venu expérimenter la joie et l'amour. Gardez cela à l'esprit. Décidez de vous accorder, eh bien, toute votre confiance. Mais oui, vous le méritez. Vous le méritez. Ayez confiance en vous. Estimez-vous. L'estime de soi, c'est important.
C'est aussi important le pardon, le lâcher prise, l'amour, la liberté. Il est important que vous reveniez à vous et avoir confiance en vous et en laissant partir vos croyances limitantes. Affirmation positive, eh bien, je suis libre d'être moi-même, je suis parfait tel que je suis. Je suis en harmonie avec moi-même et avec l'univers. Je suis à l'écoute de mon corps, de mes émotions, et je comprends quels sont mes besoins afin de mieux les satisfaire. J'ai confiance en ma guidance intérieure. Oui, votre petite voix intérieure, écoutez-la. Je terminerai par « je m'affirme, je m'approuve, je m'estime, je m'aime, je suis magnifique ». Eh bien voilà, vous pouvez vous lancer des fleurs parce que vous le méritez. Allez, je termine avec le petit oracle de fées et aujourd'hui, les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton petit cœur. Eh bien voilà le message de la fée. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.